الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Mes chers frères et sœurs, nous allons entamer donc la suite de ce séminaire qui va porter sur les erreurs dans les ablutions et la prière. Et on va commencer sans plus tarder sur les erreurs dans les ablutions. Et la première que vous connaissez tous et toutes, je suppose, c'est la prononciation de l'intention lorsque l'on commence ses ablutions. Alors, qui d'entre vous prononce l'intention lorsqu'il fait ses ablutions et il dit à voix haute « Oh Allah, je souhaite faire mes ablutions. » Alors, Alhamdulillah, <laughs> on me dit pas moi, personne. Tant mieux, alhamdulillah, car c'est une erreur que font certaines personnes qui ont entendu, notamment euh, de la part de certains savants shafi'ites, qu'il était sunna, carrément même recommandé, de lire l'intention à voix haute. Alors qu'en réalité, c'est une bid'a. Le messager d'Allah alayhi, alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Et ça n'a pas été rapporté de ses compagnons qu'il mentionnait l'intention à voix haute lors des ablutions comme dans n'importe quelle autre adoration comme nous l'avons vu dans des cours précédents l'intention on a vu que sa place c'est dans le cœur donc il n'y a pas besoin de la dicter avec la langue alors il y a Younous qui me dit l'imam de ma mosquée nous a dit que c'était une mauvaise compréhension et eh bien Alhamdoulilah c'est une bonne chose pour vous Younous car rares sont les imams Shafi'it à reconnaître qu'en réalité, c'est une mauvaise compréhension d'un savant shafi'ite qui a mal compris les propos de l'imam al-Shafi'i, comme l'a expliqué l'imam al-Nawawi lui-même d'ailleurs. Donc, première erreur, la première erreur, c'est le fait de prononcer à voix haute ou à voix basse la niya de, euh, lors des ablutions. Mais plutôt, comme nous le dit Cheikh Saleh ibn Abdelaziz al euh, L'emplacement de la niya, c'est le cœur. Et ceci, le fait de prononcer la niya n'a pas été rapporté ni du messager, alors que c'est notre modèle pourtant, et on doit le suivre dans ce qu'il fait, et on doit le suivre même dans le délaissement de ce qu'il a délaissé, de manière générale. Il nous dit donc que la Niya Shariya, l'intention légiférée, c'est de la placer dans son cœur. Et c'est quoi l'intention dans le cœur eh C'est tout simplement lorsque tu te lèves pour aller t'ablutionner, que dans ton cœur, tu sais que... Alors, vous allez me le dire, c'est quoi l'intention qu'il convient de mettre justement dans le cœur En fait, mon cœur, il pense à quoi lorsque je me dirige vers la salle de bain alors, il y a Camillia qui me dit se purifier. Effectivement, c'est une bonne intention. Kanouté me dit de faire les ablutions pour Allah. Effectivement. Oum me dit de faire la prière. Alors, il y a A qui me dit de faire une adoration. Entre autres, celle des ablutions. Vous avez tous la bonne réponse. En fait, à partir du moment où vous mettez l'une des intentions que vous m'avez dites, eh bien, c'est bon. Parce qu'en en fait, ces ablutions, on peut les faire, certes, pour la prière, mais on peut les faire pour autre chose que la prière, qui peut me donner des, des exemples de purification requise ou d'exemples d'adoration dans lesquels la purification est requise. Alors, vous êtes nombreux à me parler de la prière, évidemment. Oum Ibrahim nous parle de lire le Coran, de même que Iman. Il y a A qui nous parle de dormir aussi, Allahumma barik. Très, très perspicace, de même que Moussaïba qui nous dit aussi pour dormir le soir, CH aussi, Abdelmajid aussi, M5 qui nous dit pour tenir le Coran Safwan aussi nous dit pour tenir le Coran Allahumma Barik. Vous avez grosso modo la plupart des adorations qui sont requises, euh, dans lesquelles euh, comment dire, les, les ablutions sont requises. Il y a aussi le tawaf autour de la maison sacrée d'Allah, Supreme Anhoubata à la Mecque. Certains m'ont annoncé. Mais grosso modo, voilà, c'est ça l'intention. C'est le fait que je me dirige dans la salle de bain et j'ai pas besoin de la mentionner, mais dans mon cœur, je sais que là, je vais m'ablutionner parce que j'ai envie de lire le Coran, en tout cas à partir du Mus'haf. Est-ce que en lire le Coran de tête, j'ai besoin d'être en état d'ablution mineure Non, on est d'accord. Mais si je suis en état d'impureté majeure, est-ce que j'ai le droit de lire le Coran de tête Non. Non, Canute. Tu ne lis pas le Coran de tête si tu es en état d'impureté majeure. En état d'impureté mineure qui requiert les ablutions mineures, alors oui, tu peux le lire de tête. Le lire à partir du musraf, chez la majorité des savants, on ne peut pas toucher le Coran sans être en état de purification. Donc, si je veux, si je me dirige vers la salle de bain avec cette intention-là de lire le Coran, cette intention, elle est bonne. Et mes ablutions seront valides et l'intention sera concrétisée. Si j'y vais avec l'intention, par exemple, d'aller me coucher, donc je vais dans la salle de bain pour faire mes ablutions pour dormir en état de Tahara, cette intention, elle est bonne aussi. Et encore plus lorsque je me rends dans la salle de bain avec l'intention que je me purifie pour aller prier. Maintenant, je me rends dans la salle de bain avec l'intention de me rafraîchir parce qu'on est en été, il fait 35 degrés. Je me dis, oh là là, ça va me faire du bien, je vais faire de bonnes ablutions. Et après, je vais faire la prière avec ces ablutions. Est-ce que cette prière et ces ablutions elles sont bonnes Alors, il y a Ahmed qui me dit oui, de même que, que Bilal. Eh bien, j'invite mes frères Ahmed et Bilal, ainsi que ceux qui m'ont dit oui, à. Dévorer les playlists de filtres que nous avons donnés sur YouTube, car, un, car cette intention-là intention n'est pas valide pour concrétiser tes ablutions. Et du coup, la prière que tu auras faite, tu l'auras priée pour rien du tout. Et tu devras la re recommencer après avoir fait des, des ablutions correctes. Pourquoi Parce que l'intention de se rafraîchir n'est pas une intention qui concrétise les ablutions. Parce que lorsque tu t'ablutionnes, entre guillemets, pour te rafraîchir, ça ne s'appelle pas faire des ablutions. Ça s'appelle comment Ça, ça s'appelle se rafraîchir, tout simplement. Voilà, ça s'appelle une douche. Ça, ça, ça s'appelle, ce, 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 je ne sais pas, se humidifier, se... Ça s'appelle se rafraîchir tout simplement, se désaltérer, ce que vous voulez. Ça ne s'appelle pas des intentions. Ça s'appelle pas des ablutions, pardon. Donc, vous le voyez, les ablutions, il faut mettre une certaine intention. Si tu mets une mauvaise intention, eh bien, il se peut que tes ablutions ne soient pas correctes. Comme en l'occurrence, le simple fait de te rafraîchir. Eh bien, se rafraîchir, ce n'est pas une aribada. Donc, du coup, tu n'as pas effectué une ibadah, tu n'as pas effectué une adoration. Deuxième erreur je pense qu'on on est tous tombés à un moment donné de notre vie dans dans cette erreur là et qu'Allah nous pardonne enfin je dis tous peut-être que certains d'entre vous ont été préservés mais une grande partie d'entre nous j'en suis sûr qu'on est tombés dans cette erreur dans nos débuts on, il a on a tous commencé quelque part, pratiquement, à part ceux qui sont nés déjà avec des parents dans la religion qui les poussent depuis tout petit. Sinon, une grande partie d'entre nous, on a tout appris tout seul dans des livres, avec des cassettes de savants sur, sur YouTube, etc. Eh bien, le shir nous dit, c'est l'absence de soins dans les ablutions. Et dans le rousse, c'est-à-dire qu'on ne prend pas soin de nos ablutions, qu'elles soient mineures ou majeures, et le fait d'être négligent dans ces ablutions-là, dans cette purification-là, et négligent dans la connaissance des jugements relatifs à ces ablutions-là. Combien d'entre nous n'avons-nous pas fait l'effort au début d'apprendre conscien consciencieusement comment se faisaient les ablutions Donc, on n'a pas étudié ce chapitre-là, et puis on se lance avec des ablutions qui parfois été bancales. Il y a certaines personnes qui pensent que pendant les ablutions, par exemple, lorsque je commence trois fois à me laver les mains au tout début, puis je me lave, je me rince la bouche, je me rince le nez, puis le visage. Après, par exemple, ils se disent Je ne suis pas obligé de me laver les mains, parce que je me suis déjà lavé les mains au tout début. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se lavent à la limite juste un petit peu le bras et ils oublient de se laver les mains. Est-ce que des ablutions comme celles sont correctes et valides non, elles sont tout à fait invalides et incorrectes parce que tu dois te laver les mains après t'être lavé le visage. C'est là que le lavage des mains, il est obligatoire. Quand tu te laves trois fois les mains au tout début, c'est un lavage obligatoire ou surérogatoire et méritoire Bravo, c'est un lavage surérogatoire, méritoire. Donc, le surérogatoire ne peut pas dispenser de l'obligatoire qui vient après. Donc vous voyez, il y a plein de frères et sœurs qui n'ont pas bien appris, qui ont été négligents là-dedans, et du coup ils ont des ablutions qui sont invalides sans même le savoir. Le shir nous dit que ceci fait partie des choses qu'il convient absolument aux musulmans euh, d'éviter, le fait d'être négligent dans l'apprentissage de sa religion et en l'occurrence dans l'apprentissage de sa purification, entre autres les ablutions qu'elles soient mineures ou majeures. Une petite pensée pour nos sœurs qui, par euh, pudeur et, pa et par mauvaise pudeur en l'occurrence, ne posent pas la question comment elles font pour se purifier après leur période menstruelle. Du coup, pendant des années et des années, elles ne vont même pas savoir qu'il leur incombe le, lave le lavage rituel, c'est-à-dire les ablutions majeures, après la fin de leur euh, cycle menstruel. Donc le shirk nous dit que ça, c'est une grave erreur de de se simplifier comme ça la vie, de ne pas étudier la, la religion et les jugements. C'est pour ça que la science du fiqh, ça reste quand même une science très importante. Et le cher nous rappelle que, alors c'est vous qui, qui allez me donner la réponse tous en cœur, parce que c'est une question très facile, le cher nous rappelle que, quel est le jugement des ablutions, qu'elles soient mineures ou majeures par rapport à la prière. Bravo, les ablutions, c'est obligatoire, c'est une condition de validité de la prière, comme nous l'avons vu dans notre playlist Al-Moulakhass Al-Fiqri ou bien Minhaj Al-Muslim. On a vu qu'il n'y a pas de prière sans purification au préalable. Donc celui qui va avoir une purification bancale et incomplète, eh bien déjà sa prière elle est nulle. Sa prière, allait nulle à cause de, de la banqualité de ses ablutions. Donc, voilà pourquoi c'est aussi important de bien étudier le chapitre des ablutions. Le cheikh nous rapporte quelques hadiths pour montrer l'importance de faire soigneusement et minutieusement ses ablutions. Il y a le hadith d'Allah ibn Sabura, où le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa lui a dit Asbiril ça veut dire quoi Asbir, Asbara Isbaran Bravo, Oussama. Alors, non, c'est Mariam, pardon. Oussama m'a donné une mauvaise réponse. Bravo, à Mariam. Bravo, Kanouté Mohamed. Alors, non, Marseille 13. En fait, vous confondez Asbir avec un Rain et Isbir de Sabre avec un Ra ce qui est différent. Asbir, ça veut dire fais-les minutieusement, justement, fais-les complètement, parfait tes ablutions, de sorte que tu n'oublies aucun membre qui doit être touché par l'eau. Le hadith, il est rapporté par les Ashabus Sunan. Alors, on avait vu ce que voulait dire unanimement authentique. Quand on dit Rawahu Ashabus Sunan, qui est-ce qu'on le désigne dans la science du hadith Alors non, ce n'est pas Bukhari et Muslim, justement, parce que Bukhari et Muslim, c'est as comme nous l'avons vu, les deux authentiques. Alors, j'ai beaucoup de mauvaises réponses, donc je suis content. Je suis content parce que je me dis, j'ai bien fait de poser cette question. On croit toujours qu'on pose des questions faciles. Et en fait, euh, alors il y a N, Nganetouré qui, qui se rapproche du, du but. Il me dit les cinq. Il y a Oum Sami qui me parle de sept rapporteurs. Je n'ai toujours pas eu la, la bonne réponse complète. Parce qu'il y a Fouet qui me dit Abu Daoud, il y a Younous qui me dit Abu Daoud et Tirmidhi, il en manque quelques-uns là. Ronei aussi me parle de Tirmidhi. Alors il y a Nganetouré qui me dit Ahmed. Ahmed il ne rentre pas dans les Sounan. Darmouche aussi me parle d'Ahmed, Abu Abdillah me parle d'Ahmed. Ahmed ne rentre pas dans les Sunan quand on parle des Sounan ici. Pourquoi Parce qu'Ahmed il n'a pas des Sunan, il a un mousnad al musnad c'est différent des Sunan. Quand on parle des Sunan, c'est pour ça que vous l'entendez parfois. On parle des Sunan al-Arba. Les Sunan al-Arba, c'est Tirmidhi, c'est Abu Daoud, c'est An-Nasai. Je ne sais pas si certains d'entre vous me l'ont cité, je ne l'ai pas vu. Et c'est Ibn Maja. C'est maintenant que vous vous rattrapez. Là. Je vois les retardataires qui m'écrivent Ibn Maja, <laughs> après vous avoir bien aidé. C'est ça les quatre. Vous avez souvent entendu rapporté dans les Sunan d'Ibn Majah, rapporté dans les Sunan d'Abi Daoud, rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi, rapporté dans les Sunan d'At-Tirmidhi et bien ces quatre c'est eux ashabus Sunan. Et on a vu dans la, la semaine dernière que lorsqu'on dit rawahu sheikhani rapporté par les deux cheikh ou ou un hadith unanimement authentique ou bien euh, Hadith qui est euh, sorti et trouvé ou trouvable dans les deux authentiques, on vise Bukhari et Muslim. Et on a dit qu'une fois que Bukhari et Muslim ont jugé authentique un hadith, il n'y a pas besoin de regarder ce qu'on dit à ou Sunan. Les quatre rapporteurs de Sunan que sont Abu Daoud, Nasai, Ibn Majah et At-Tirmidhi, Rahmatullahi ala al-Jami'a. On n'a pas besoin de leur confirmation lorsque Bukhari et Muslim, Allah » nous ont dit que le hadith, il est authentique. Ensuite, bien sûr, on peut parler des, des, des neuf références dans lesquelles on va ramener aussi le mousnad de l'imam Ahmed, etc. Où on peut extrapoler là-dessus. Donc là, ce hadith, Asbir il est rapporté dans les quatre sunan Et Ibn Khuzaima l'a authentifié. Et dans les deux authentiques, donc deux authentiques, c'est-à-dire, maintenant tout le monde a la bonne réponse, c'est qui les deux authentiques Bukhari et muslim, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on trouve dans Bukhari et muslim On trouve la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa, ala wa sallam lil minan nar. Ce qui signifie, alors c'est quoi Al-Aqab, le pluriel de Aqib Où sont nos amis euh, demi-arabophones Puisque les amis, mes amis complètement arabophones, je l'ai dit, n'ont pas le droit de m'écouter. Bravo Ayman. Alors, Camélia, c'est une réponse très approximative. Bravo Mariam. Al-Aqib, et le pluriel Al-Aqab, ce sont les talons. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, a dit malheur aux talons. Du feu, c'est-à-dire malheur au talon contre un châtiment du feu en enfer. Alors, c'est vous qui allez me faire le char. Premièrement, vous allez me dire pourquoi le Messager d'Allah (sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit ceci. Dans quel contexte il a dit ceci Alors, Yaoum Ibrahim qui m'a donné la bonne réponse. De même que Darmouche, de même que Safwan, de même que Adil, vous êtes nombreux à avoir la bonne réponse. Allahumma Barik. On est dans le cadre des ablutions, donc vous vous doutez bien que ma question avait un rapport avec les ablutions. Parce que si je, si je vous avais sorti ce hadith euh, dans un séminaire sur le mariage, peut-être que ça n'aurait pas été aussi euh, euh, logique pour vous de vous dire Ah, malheur au talon contre le feu, Ça, il parle du wobo, des ablutions. On est d'accord. Donc, on vous a aidé. Donc, effectivement, ici, on est dans le chapitre des ablutions. Pourquoi, du coup, Rasulullah, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, il a tenu cette parole Vous m'avez dit, il faut lorsqu'on fait les ablutions, il faut bien nettoyer son talon. Du coup, je pense qu'encore une fois, même sans le savoir, en vous posant la question et au vu du contexte dans lequel nous sommes, je pense que vous pouvez deviner dans quel contexte est descendu ce hadith. Ah, bravo Oum Ibrahim, qui, que je vois, je vois qu'elle connaît la réponse. Alors, je ne vais pas vous faire languir trop longtemps. Alors non, Oum Nour, Oum Nour l'Islam, ce n'est pas ça. Ici, en fait, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, alors je vois que Mohamed Muhammad c'est la bonne réponse. Il avait vu un compagnon prier, tandis que son talon luisait parce qu'il n'avait pas été touché par l'eau. Vous voyez, votre pied ou n'importe quel membre, lorsque tu as une partie que tu as lavée et une autre qui est sèche et qui n'a pas été lavée, eh bien, elle fait tâche, entre guillemets. On voit qu'il y a une partie que, qui est moins brillante qu'une autre. Et on voit qu'elle n'a pas été touchée par l'eau. Donc, le messager d'Allah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, avait constaté ceci au niveau du talon d'un de ses compagnons. Donc, il leur a dit malheur au talon contre le feu de l'enfer. Pourquoi Premièrement parce que de la même façon que le lavage des mains dans les ablutions, il va de où à où, il doit toucher quoi à quoi. Alors bravo Oum Ibrahim qui me dit des doigts jusqu'au coude. Alors Adil il me dit poignet au bout des doigts, c'est pas bon euh, Adil justement. On doit laver depuis l'extrémité des doigts, donc que nos sœurs fassent attention. Les sœurs qui portent du vernis et qui se disent que ce n'est pas trop grave parce que El Mouhim c'est de laver la plus grande partie de la main, et ce n'est pas grave si mes ongles n'ont pas été touchés par l'eau. Si, si, c'est très très grave. Et faites attention à ces pseudo-vernis imperméables. On a fait le test, j'ai fait le test personnellement. Et ils sont très imperméables, justement. Ils ne laissent pas passer l'eau, quand bien même c'était vendu comme étant des vernis perméables. Donc, tout doit être touché par l'eau jusqu'aux ongles. Et la main, on la lave jusqu'au coude, coude incorporé. C'est-à-dire que si toi, tu te laves la main et que tu vas jusqu'ici et que tu t'arrêtes à mi-bras et que tu n'as pas lavé ton coude, eh bien, tes ablutions sont imparfaites. Alors qu'on vient de le voir, Rasulullah nous a dit Asbiril le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a ordonné Fi'alou amr, wal amru yadullu ala al Job, l'impératif dans le langage prophétique implique l'obligation. Donc nous avons l'obligation de parfaire nos ablutions. Donc si pour la main ça va de l'ongle jusqu'au coude compris, eh bien le pied aussi, il doit être entièrement lavé, c'est-à-dire des orteils jusqu'au talon en longueur et des talons jusqu'à la cheville en hauteur. Donc, le pied aussi, tu dois le laver consciencieusement et minutieusement et tu ne peux pas te permettre de n'en laver qu'une partie. Et comme tu te dis pour les bras, moi, ce n'est pas grave si je ne fais pas le coude, tu te dis pour les pieds, ce n'est pas grave si je ne fais pas le talon. Eh bien, Rasoul Allah nous a dit malheur au talon contre le feu. Malheur au talon d'un feu. C'est-à-dire, ils sont susceptibles d'être touchés par le feu de l'enfer si volontairement et par négligence, tu délaisses tes talons comme ça et que tu ne fais pas attention à parfaire tes ablutions. Maintenant, la deuxième question savez-vous pourquoi ce compagnon n'avait pas lavé soigneusement son talon <laughs> non, ce n'est pas parce qu'il n'avait pas assez d'eau. Non, ce n'est pas pour une blessure. Quand je vais vous donner la bonne réponse, vous allez paniquer. Vous allez paniquer parce que vous allez vous dire Oh, mais flûte, mais moi, ça fait 15 ans que je fais mes ablutions comme ça. Du coup, je ne sais pas si je dois vous la donner, la réponse, parce que vous, <laughs> vous allez avoir un paquet de prières à rattraper. Non. Je vous, je, vous, je, vous, je, vous, je vous taquine, mais vous n'aurez pas à rattraper vos prières si vous l'avez délaissé par ignorance. Pourquoi Parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa n'a wa pas ordonné à son compagnon de rattraper toutes ses prières qu'il avait priées avec de telles ablutions. Alors il y a Safwan qui a 80% de la bonne réponse. Alors, je vous donne la bonne réponse exacte parce que je ne l'ai pas vu passer, ça m'étonne. Hein. Ça m'étonne. Je... Ou alors elle m'est passée sous le nez, mais je ne l'ai pas vu. En fait, c'était un compagnon. Alors, comme vous le savez à l'époque, hein, ils faisaient beaucoup leurs ablutions et ça existe encore au bled. Euh, très basse, ce n'était pas sur des lavabos très élevés comme nous en hauteur. On le faisait plutôt euh, en direction du sol, à, à niveau du sol. Et souvent, on le faisait sur ce qu'on appelle un petit bidet par terre comme ça un petit vasque et du coup on avait un compagnon qui avait fait ses ablutions comme ça et il les faisait en posant son pied sur ce genre de vasque un petit bassin comme ça et du coup son talon euh, était appuyé sur le bassin il s'appuyait sur le bassin pour laver son pied et du coup son talon qui était appuyé sur le bassin ben il n'avait pas pensé à le décoller du bassin pour laver sous le talon. Donc, il lavait tout son pied et il oubliait le talon qui était en contact avec le bassin, il oubliait de le laver. Et nous, il se peut que nous sommes nombreux à faire cette erreur-là lorsqu'on met nos pieds sur le bidet ou qu'on le met sur le lavabo pour les plus contorsionnistes d'entre nous et qu'on se lave tout le pied, qu'on frotte bien entre les orteils, mais on oublie complètement de décoller à un moment donné le pied pour laver son talon. Donc j'espère que nous ne sommes pas nombreux à faire cette erreur-là, mais si vous la faites, alors il convient de, euh, de vous rattraper très très vite. Malheur au talon contre le feu, nous a dit Rasulullah. Et le hadith, on le rappelle, il est unanimement authentique. Et le Shir s'alih de commenter, et ceci car c'est un endroit qu'on oublie. Parfois, on a tendance à oublier de nettoyer cet endroit. Ceci indique donc que, autre que les talons, a le même jugement. Mais oui, que dites-vous, mes frères et mes sœurs, si cet endroit-là. Alors, on me dit que je bug beaucoup. Normalement, j'ai une bonne connexion internet. Je vais désactiver la... la vidéo quelques instants. Si le talon. Qui est la partie qu'on a tendance à oublier et passible d'un tel châtiment, alors que dites-vous du reste du corps, comme nous le dit Cheikh Saleh al sheikh qui sont des parties qui normalement ne sont pas oubliables et entre guillemets ne sont pas excusables Il faut le vouloir pour, oublier de, pour, pour être négligent dans euh, l'essuyage de la tête le vouloir, pour être négligent dans le lavage du visage. Donc si la négligence du talon, qui est une partie qu'on peut machinalement, par coutume, oublier, elle est soumise à un tel châtiment, que dire d'autre que le talon comme membre qu'il est obligatoire de laver, nous dit Cheikh Saleh al-Shaykh, donc il nous dit qu'il convient aux musulmans d'apprendre les jugements relatifs aux ablutions Bien sûr, d'apprendre également les, ju les jugements relatifs à la prière, les jugements relatifs à la zakat, au jeûne, au pèlerinage. En fait, toutes les obligations qui t'incombent, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie, tu te dois de faire l'effort de les apprendre. Tu ne peux pas rester dans ton ignorance comme ça toute ta vie. Le chir nous dit... Il est obligatoire donc de parfaire ses ablutions sur les membres des ablutions. Et c'est le fait kulliha. Et parfaire ses ablutions, alors qui va me donner la définition de parfaire ses ablutions Qu'est-ce que ça signifie Donnez-moi la définition la plus simple la plus simple, tout en étant la plus complète. Il y a Abou Aïcha qui, qui me dit « Comme les faisait Rasulullah, Oui, effectivement, « Sallallahu alayhi, alayhi wa sallam oui. ». Il y a Fatima qui me donne une, une définition plus correcte, ne pas « Ne pas oublier aucune partie. » Effectivement, je vous donne la définition de Cheikh de Saleh Haroucheh. Al vous allez voir comme elle est, elle est concise, simple, tout en étant précise et, 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 et suffisante. Le chercheur nous dit que isbar al le fait de faire consciencieusement ses ablutions, c'est de répandre l'eau sur tout le membre. Alors pardon, j'ai buggé. Vous m'entendez hein Assalam عليكم, je suis désolé. Alors, je passe en 4G. Voilà. Ça enregistre, n'est-ce pas? D'accord. Alors, je, du coup, je ne sais plus où on en était. Euh, je crois que je vous lisais uniquement. Ah oui, on en était à la définition. Très concise de Shir Salih al je ne sais pas si vous l'avez entendu, il nous a juste dit que par faire ces ablutions, ça signifie tout simplement couvrir euh, tous les membres de l'eau, faire que tous les membres que les ablutions doivent toucher soient touchés par l'eau. Donc en intégralité, c'est-à-dire que ton bras, comme ton ta main, comme on l'a vu, elle doit être touchée euh, de l'ongle jusqu'au coude, comme nous l'avons dit, et le pied. Il doit être touché comment Qui me rappelle C'est quoi Laver entièrement son pied Jusqu'à la cheville, oui, en hauteur. Et de l'orteil au talon, en longueur ou en... Effectivement, en longueur et en largeur et également. Donc, c'est ça que ça signifie aspirer le Wobo. C'est le fait de faire consciencieusement ces ablutions, c'est-à-dire de faire en sorte que l'eau touche l'intégralité... Du membre. Alors le Shir nous a dit, ça, c'est pour les membres, et la race. sauf la tête. Ça veut dire que la tête, on n'est pas obligé. Alors, c'est quoi la tête, mes frères et mes sœurs Quand on parle de la tête dans les ablutions, c'est quoi qu'on vise Ah, bravo j'ai réussi à piéger Mohamed Kanouté avec mon petit geste. <laughs> Mais la plupart d'entre vous, vous, vous ne vous êtes pas fait avoir parce que vous m'avez tous dit la tête c'est les cheveux en fait c'est du front jusqu'à la nuque. Et oui il faut faire la différence entre la tête et le visage c'est pas la même chose. Le visage quel est son jugement dans les ablutions? On doit le On doit le laver. Bravo. La tête, quel est son jugement dans les ablutions On doit la laver, la tête C'est-à-dire, on se fait un shampoing On doit l'essuyer. C'est différent. Essuyer et laver, c'est complètement différent. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça signifie laver et qu'est-ce que ça signifie essuyer Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire laver Laver ma main, laver mon visage, ça signifie quoi, concrètement parlant Alors, prendre de l'eau et, et l'expulser, me dit Kanouté, euh, comment tu expulses l'eau de, de tes bras et de tes pieds Voilà, Aïman me dit c'est faire couler l'eau sur le membre. Ça, c'est la meilleure des définitions et la plus simple. Vous voyez, parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h et de faire compliqué. Vous êtes nombreux à me dire frotter Non. Frotter, c'est que chez les Malikites, mais chez la majorité des savants. Frotter, c'est une sunna. Ce n'est pas obligatoire pour laver le membre de le frotter. Comme le dit Ayman, je prends une bouteille d'eau, je la verse sur l'intégralité de mes doigts et l'eau coule, ruisselle jusqu'à mon coude. J'ai lavé mon, ma main. J'ai lavé ma main, ça me suffit. Ce lavage, il est correct. Donc, laver, ça signifie faire couler l'eau sur. Essuyer, ça veut dire quoi Bravo, M5. Voilà, bravo. M5, on va s'en tenir, dé... euh, tenir à la définition de M5 qui a été la première à répondre et, et qui a la... la définition la plus correcte. C'est simplement le fait de passer les mains humides, en l'occurrence sur la tête. Donc, ce n'est pas le fait de prendre une poignée d'eau et de la faire couler comme ça sur ma tête et la faire ruisseler, comme je le ferai avec mon visage où je prends une poignée d'eau et. Je la jette sur mon visage pour faire couler l'eau sur mon visage. Là, il suffit de prendre mes, de, de l'eau, de la relâcher. Et avec ces mains mouillées-là, j'essuie sur ma tête. Donc, le shir nous avait dit la définition de « aspirer l'eau d'eau, de « parfaire ses ablutions ». Ça signifie de recouvrir l'intégralité du membre par l'eau. Donc oui, ça, ça vaut pour le visage, ça vaut pour les pieds, ça vaut pour les mains. On est d'accord. On recouvre l'intégralité du membre avec de l'eau, sauf la tête. Il nous a dit la tête. Alors la tête, il y a deux choses. Premièrement, il suffit de l'essuyer. Il n'y a pas besoin de la laver. Et deuxièmement, il nous a dit, il suffit d'essuyer la plus grande partie de la tête. Ça signifie que la tête il faut pas que tu tombes dans une psychose et dans des wasawis. Hein, vous savez, ces, ces, ces fameuses insufflations qui, qui, qui vous rendent complètement barjot. Donc, la tête, c'est simple. Tu prends la plus grande partie, tu écartes bien tes doigts pour prendre la plus grande partie et tu fais comme ça un mouvement d'aller-retour. Sachant que le retour, il est sauna. Il te suffit de faire un aller et c'est bon, tu vas jusqu'à la nuque et c'est bon, tu as essuyé ta tête, c'est correct. Tu veux faire le, le, le mouvement retour c'est la sunnah et c'est encore mieux. Et il te suffit d'essuyer de, sur la plus grande partie de la tête. Ne te dis pas, j'ai peut-être oublié une petite partie là, j'ai peut-être oublié une petite partie derrière, ici au niveau de la nuque, j'ai peut-être oublié une petite partie devant le front, etc. La plupart de la tête, ça te suffit. Walhamdulillah, la religion est facilitée. Ne vous la compliquez pas. Ensuite, on a essuyé la tête. Est-ce qu'il est obligatoire après de s'essuyer les oreilles ou on peut les délaisser les oreilles Alors, il y en a beaucoup qui me disent oui, c'est obligé, donc du coup, je vous ai hanbalisé alors. Je vous ai hanbalisé avec mes, mes, mes cours de fer. Pourtant, c'est je rapporte toujours tous les avis, en général, et c'est le seul que vous avez retenu. Ça c'est le mazhab de l'imam Ahmed Ibn Hambal, Il préconise qu'il est ob... ou il préconise, et il stipule même qu'il est obligatoire de se... de s'essuyer les oreilles, alors que les autres mazahib, chez les Hanafites, chez les Malikites, chez les Shafiites, on voit que c'est simplement sunna, c'est recommandé de s'essuyer les oreilles. Du coup, chez la majorité des savants, si tu ne t'essuies pas les oreilles, ta prière, les... tes ablutions, pardon, sont correctes. Mais j'ai les hanabila. Non, ce n'est pas correct puisque c'est une obligation. C'est quoi le dalil des hanabila? Puisque vous m'avez tous dit oui, c'est obligatoire. Eh bien, moi, je veux me permets de vous poser la question, rapportez votre preuve si vous êtes véridique. Quelle est votre preuve? Pourquoi vous la, vous la rendez obligatoire, le, les, les, pourquoi vous le rendez obligatoire, l'essuyage des oreilles? Alors, vous me parlez de verset du Coran, moi je ne le connais pas ce verset du Coran. Qui parle précisément des oreilles. Voilà, bravo Amin. Amin, il connaît le hadith. Alors, il y a Oum Ibrahim qui, 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 qui nous rapporte la description de la, des ablutions du prophète. Ce qui, la description des ablutions du prophète ne veut pas dire que c'est une obligation. Le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, se lavait trois fois les mains avant de débuter ses ablutions. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Le messager d'Allah, comme nous le rapporte le shiir, shir, il nous dit « Il a dit « Les deux oreilles font partie de la tête. » Ça, c'est un hadith. Et voilà pourquoi l'imam Ahmed, il sait. Euh, appuyer sur ce hadith pour dire voilà, Rasulullah nous a dit que les deux oreilles font partie de la tête. Du coup, puisqu'il est obligatoire d'essuyer la tête, il est obligatoire d'essuyer les deux oreilles, puisque Rasulullah alayhi wa alayhi wa nous a dit qu'elles faisaient partie de la tête. Alors, le chir nous dit il est recommandé de faire ses ablutions complètes. À trois reprises. Est-ce que le cheikh a raison ou il s'est trompé Ce n'est pas plutôt obligatoire de, de faire ses ablutions en trois fois Voilà, vous êtes très nombreux. Vous m'avez tous dit que c'était sunnah de le faire trois fois et que l'obligation, c'est une seule fois. Donc, on est d'accord. Laver les membres et l'essuage de la tête, tout ça, tu fais ça une seule fois seulement. Tes ablutions sont correctes, elles sont valides. Et la sunna, c'est de le faire trois fois. Alors la sunna, c'est trois fois pour tout, tout, tout. Il y a une petite subtilité. Alors vous me dites tous pas la tête. La tête, on ne la lave pas trois fois. Et c'était l'avis du cheikh. Est-ce que vous avez déjà entendu un avis contraire Normalement, ceux qui suivent mes cours sur YouTube ont déjà entendu un avis au contraire. Qui c'est qui a, a stipulé un avis contraire et qu'est-ce qu'il a dit à cela Et qu'est-ce qu'il a objecté à cela Silence de mort. Je comprends. Encore une fois, personne ne suit les cours. Tant que vous suivez des cours, je m'en fiche que vous suiviez les miens ou pas. Euh, c'est le cadet de mes soucis. Tant que vous suivez des cours de fer, c'est le principal. Donc, il y a Marseille 13 qui a, qui a la bonne réponse, même si elle a mis son point d'interrogation, ce qui veut dire qu'elle n'était pas sûre d'elle. Et Camélia aussi. Mais effectivement, c'est la bonne réponse. En fait, c'est Sheikh Al-Albani, rahmatullahi Alayhi, qui a. Vous le savez, il était muhadith, donc il était savant du hadith. Il a authentifié un hadith où le messager d'Allah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam avait déjà essuyé sur sa tête à trois reprises. Donc, Sheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi, nous dit que la plupart des hadiths mentionnent qu'il ne le faisait qu'une seule fois. Mais comme je, moi, Sheikh al-Albani, considère qu'il y a ce hadith-là qui mentionne la, le, le, le chiffre 3, authentique. Et eh bien, je considère qu'il est aussi sunna de temps en temps comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi, wa alayhi wa sallam, de temps en temps d'essuyer à trois reprises la tête. Cependant, l'écrasante majorité des savants considèrent que on essuie la tête qu'une seule fois. Et qu'il n'est pas légiféré de le faire trois fois. Très certainement parce qu'eux n'ont pas authentifié le hadith que Sheikh al, al bani a authentifié. Et je vous rappelle que Sheikh Saleh al-Sheikh, qui a écrit ce livre que nous sommes en train d'étudier, lui-même, il est très fort dans la science du hadith. Qui sait ce qu'a fait Sheikh Saleh al-Sheikh par rapport à un livre de Sheikh al, al bani justement, pour montrer à quel point il est doué dans le hadith Alors n'est pas une correction. Il a il a, en fait Cheikh Al-Albani, il a fait Irwa' ul Il a fait un, un il, a, il a sorti les hadiths d'un livre de, dans le fiqh Hanbali. Et il a oublié il a oublié d'authentifier de, de, Et de faire le, le tahkik De certains de ses ahadith De parler sur ses ahadith Du coup le shir Saleh al est venu compléter Le travail de Shir Al-Albani al Donc c'est vous dire un petit peu le niveau Pour passer derrière Al-Albani Il faut avoir un sacré bagage Et je vous disais en introduction que shir Saleh al C'était une montagne De science, c'était une sommité dans la science ce pas parce qu'il est spécialisé dans la Aqidah que ça veut dire qu'il n'avait pas aussi de très bonnes bases dans le hadith, dans le fiqh, dans le usoul, etc., etc. Donc le chir nous a dit qu'il convient, il est recommandé de faire ses ablutions à trois reprises, sauf pour la tête. La tête, il convient de ne le faire qu'une seule fois. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit Man atam mal wudu'a kama le chir nous dit qu'il y a de nombreux hadiths euh, les, les, louant les mérites des ablutions et du fait qu'ils effacent les péchés effectivement les ablutions Efface les péchés. Parmi ces hadiths qui prouvent cela, le Shir nous rapporte la parole du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa qui est authentique et qui est rapporté par Uthman ibn Affan, qui a dit Quiconque parfait les ablutions, Atama, ça veut dire parfaire, compléter quelque chose. Donc on voit qu'ici, tes ablutions, il faut qu'elles soient complètes. Pourquoi le Shir nous parle de ce hadith Parce qu'il parlait de faire ses ablutions en trois fois. Comme l'avait fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, si tu veux avoir la récompense dont nous allons parler, il ne faut pas que tu te contentes de faire tes ablutions une seule fois ou deux fois pour te faciliter les choses et aller plus vite. Parfaites tes ablutions en les faisant comme l'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à trois reprises. Oui, les trois reprises ne sont pas obligatoires, mais elles sont méritoires parce qu'une récompense énorme t'attend. Rasulullah dit. Quiconque parfait les ablutions comme Allah lui a ordonné, alors les prières obligatoires sont des expiations pour ce qu'il y a entre elles. C'est-à-dire que si tu fais très bien tes ablutions au Fajr, puis que tu les fais très bien au Vor, eh bien tous les petits péchés que tu auras faits entre les deux prières seront effacés par ces ablutions-là. Et par euh, en, aussi tes prières. Et les grands péchés, du coup, les ablutions ne les effacent pas. Il n'y a pas un type d'ablution spéciale qui efface les grands péchés. Effectivement, ni les ablutions, ni autre, ni le moindre acte d'adoration n'efface les péchés en dehors du repentir. Subhanallah, comme je vous le dis toujours, ça peut paraître tellement simple. On peut se dire, mais Subhanallah, c'est tout ce qu'il faut faire en fait. Pour se faire pardonner d'un grand péché, j'ai même pas besoin de jeûner deux mois consécutifs. J'ai même pas besoin d'immoler une bête. J'ai même pas besoin de faire une omra sur Non. La, la simple chose que je dois faire pour me faire pardonner d'un péché majeur, une kabira min al-kabair, c'est juste le repentir. Ben bah oui, c'est juste le repentir. Mais qui d'entre nous a la force de se repentir Qui d'entre vous, mes frères, a la force de se dire à partir d'aujourd'hui, je baisse les yeux dans la rue J'arrête de regarder les sœurs. Qui d'entre vous, mes sœurs, a la force de se dire à partir d'aujourd'hui, je me couvre de la tête aux pieds, on ne voit plus rien de moi, je, je deviens un fantôme. Qui d'entre nous a la force de se dire aujourd'hui, j'arrête de mal parler à mes parents, etc. etc. Alors, oui, sur le papier, c'est facile de se repentir, mais dans la pratique, combien d'entre nous nous repentons de tous nos péchés majeurs? Alors, troisième erreur dans les ablutions, le Chir nous dit Les waswasa, hein, ça va plaire à, à, à beaucoup de monde cette erreur. C'est un sujet dont les gens sont très friands et parce qu'ils sont très touchés, et qu'Allah les guérisse, qu'Allah guérisse tous nos frères et sœurs touchés par ces insufflations. Qui peuvent, comme on l'a vu dans les séminaires précédents, amener les personnes touchées par ces insufflations à délaisser les ablutions, à délaisser la prière et au final à délaisser l'islam. Parce qu'ils vont se dire après tout, je, je me sens tellement mal en ne priant plus, en ne faisant plus mes ablutions, je me sens hypocrite, il vaut mieux que je sorte de la religion tout simplement je serai plus cohérente envers moi-même. Voilà les stratagèmes du diable. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et petit à petit, Shaitan fait son nid dans ton cœur. Donc le chir nous dit, ça c'est une erreur des ablutions d'avoir des wassawis. Qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai des wassawis? On l'a vu, le remède, il est tout simple. Qui nous donne la, la solution Qui nous donne la cure bah, Bravo à... À Mohamed Kanouta Ayman, à Oum Ibrahim et à MRN, Amina. de Amina. La, la, la... Vous êtes nombreux à connaître la réponse, donc j'espère que vous n'êtes pas touchés par ces Wasawis si vous connaissez tous la réponse. C'est tout simplement de s'en détourner, de ne plus les écouter, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Lorsque le diable vient. Et qu'il essaye de te mettre, pardonnez-moi l'expression, des disquettes, ces insufflations pour te faire de, de désespérer de la miséricorde d'Allah et de la facilité de la religion, eh bien tu te détournes et tu ne l'écoutes plus. Ah, oh, je ne sais plus si j'ai lavé telle partie, je ne sais plus si j'ai fait ceci, je ne sais plus si j'ai fait cela. Et tu fais 36 allers-retours dans la salle de bain, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Maintenant tu vas dans ta salle de bain, tu fais tes ablutions. Et tu vas prier. Le shaitan te rappelle Ah, je ne sais plus si, je m'en fiche. Je m'en fiche, il n'y a pas de je ne sais plus. Soit je suis sûr, et alors dans ce cas-là, oui, je retourne dans la salle de bain, renferme mes ablutions. Soit c'est des doutes, et alors j'écoute pas ces wasawis. Ça, tu ne m'auras pas, tu ne m'auras plus. Rasulullah sallallahu alayhi, alayhi wa sallam m'a donné le, 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 le remède et m'a donné le, le mode opératoire que je devais appliquer pour te combattre au Iblis. Je ne t'écoute plus, tout simplement. Je n'écoute plus tes disquettes. Donc, le chir nous dit que parmi ces wasawis, il y a le fait de rajouter plus que trois fois dans les ablutions. Parce que voilà. Tellement pas sûr d'avoir bien touché le coude, ah ben je vais rajouter une quatrième fois. Après le shaitan, il te dit, ah oui, mais là tu as bien touché le coude, mais tu as oublié une petite partie de l'ongle, alors oh, ben, je vais me le relaver une cinquième fois et ainsi de suite. Et il y en a qui passent 30 minutes. J'ai eu une sœur qui m'a écrit, elle m'a dit, je passais une heure dans la salle de bain, une heure dans la salle de bain à faire ses ablutions et à l'Istenja parce qu'à chaque fois elle avait ah oui, mais. Ça y est, je me, je me suis lavé les parties intimes, j'ai fait mes ablutions, elle sortait de la salle de bain. Oh, j'ai l'impression qu'il y a une goutte qui a coulé. J'ai l'impression qu'il y a une goutte qui m'a échappé. Il faut que je refasse tout. L'istinja, le lavage des parties intimes, puis les ablutions, et ça prenait une heure. Eh bien, au final, cette personne a apostasié, subhanallah. La ilaha illallah, qu'Allah nous en préserve. Donc le shir nous rappelle que le messager d'Allah sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam n'avait jamais dépassé les trois reprises dans les ablutions. Donc quiconque va outrepasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala il aura fait partie des exagérateurs au sujet desquels Rasulullah sallallahu alayhi, ala alayhi wa sallam avait dit malheur aux exagérateurs, ce qui complique la religion alors qu'elle est pourtant simple. Et le nous dit Il est obligatoire, nous dit shikh, de d'éloigner, de rejeter et de repousser les wasawis, les insufflations et les doutes après avoir fait totalement ses ablutions. Ça y est, t'as fini tes ablutions C'est terminé, il n'y a plus besoin de retourner faire un second round dans la salle de bain. Tu, délises, tu délaisses les doutes. On l'a dit à partir du moment où ça n'atteint pas à la, la certitude, tu n'as pas à prêter attention à ces insufflations et à ces doutes. Imchi, poursuis dans ta, sur ton chemin vers la prière. Et fais ta prière et ne te retourne pas derrière. Et le chir de nous rappeler que les wasawis min les shaytan ces wasawis, ces insufflations ne sont rien d'autre que la ruse du diable parmi les nombreux stratagèmes que le diable déploie pour nous détourner de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième erreur dans les ablutions, al-israf ou bilma. C'est quoi israf mes frères et sœurs Qui connaît ce mot en arabe Bravo à M5, à Samia et à CH. Oh ben vous êtes très nombreux à connaître ce mot-là, ça fait plaisir. Al-israf, ça signifie le fait de gaspiller. De, de dépasser les limites dans, euh, dans une chose donnée. Ici, l'israf ou bilma, c'est le fait de gaspiller l'eau, de dépasser les limites requises pour faire ses ablutions. Alors, je ne vais pas dire que c'est l'israf de dépasser la limite de Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, mais qui savait ce qu'il suffisait à Rasulullah sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam, pour faire ses ablutions mineures. Il ah, y a Ayman qui m'a apporté la bonne réponse. Adil, il a la moitié de la bonne réponse parce qu'il m'a parlé d'une poignée. Alors non, Hakima, un seau d'eau, c'est beaucoup. <laughs> un seau d'eau. Même un seau d'eau, c'était trop pour ses ablutions majeures, subhanallah. Alors, il y en a qui me parlent de verre d'eau. Ce n'est pas comme ça qu'on qu compte mes frères et mes sœurs. On le comptait en mood. Donc, c'est pour ça que j'ai dit parler d'une poignée de main, c'est une erreur, parce que le mood, c'est les deux poignées de main. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Se suffisait d'un moud C'est-à-dire ce qu'il pouvait puiser De ses deux mains Pour faire ses ablutions Et les faire avec toutes les sunan C'est-à-dire par faire ses ablutions Il lui suffisait un moud d'eau Le moud, vous vous rappelez Quand on a sorti notre zakatul fitr En euh, denrées alimentaires On les a puisés avec Quatre mouds Quatre amdad. on C'est ça le moud Et du coup, de quoi il se suffisait pour faire son rousle, ses ablutions majeures. Bravo, Iman. C'est pas Houd, hein. je vois certains qui m'écrivent Houd. Houd, c'est un prophète, c'est un messager d'Allah. On dit Moud avec un M, avec un M. Voilà, donc quatre Amdad. Le pluriel de Moud, c'est Amdad. Donc quatre Moud, c'est une erreur de langue arabe. Quatre Hamdad. et quatre Hamdad, ça correspond en quoi à quoi ça, ça porte quel nom en langue arabe? Bravo Marseille 13 et, et Ahmed. On l'a vu dans Zakatul Fitr aussi. Ça s'appelle un sar. Bravo à ceux qui ont eu la bonne réponse. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam n'avait pas besoin de prendre des douches pendant 30 minutes comme nous à faire couler l'eau à fond pour faire son rousse, pour prendre ses ablutions majeures. 4 amdad, 4 fois ses ces doubles poignées de main, ça lui suffisait. L'équivalent d'un sar. Donc le chir nous dit parmi les erreurs, al israf bil le fait de gaspiller l'eau dans les ablutions, wa huwa anhu, et ça a été explicitement interdit par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa Et de manière plus globale, c'est pour ça que je vous disais que le gaspillage, c'est le fait de dépasser les limites. Ça a été interdit de manière globale, c'est-à-dire pas que dans les ablutions, par Allah Lorsqu'il nous a dit dans sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 141, « Wa la musrifin »« Et ne gaspillez pas, certes, il n'aime pas les gaspillateurs. » Et Rasulullah sallallahu alayhi wa, wa sallam, il était passé près de Saad anhu, lorsqu'il faisait ses ablutions et il lui a dit alors il y a un hadith qui a été rapporté par Ahmed et les faible, les faibles c'est pour ça que certains savants ont dit que le hadith est faible en termes de sanad mais son sens est correct et on peut se baser dans nos adorations sur ce hadith là parce que son sens est véridique et correct il a été rapporté que le messager d'Allah est passé près de Sard, et il a vu qu'il gaspillait de l'eau en faisant ses ablutions. Alors il lui a dit Ne gaspille pas l'eau. Alors Sard lui a répondu Est-ce qu'il y a du gaspillage dans l'eau Sard ne s'attendait absolument pas à ce que l'eau ait matière à, à gaspiller de l'eau. De la nourriture, à la limite, ça paraît logique de l'eau pour faire ses ablutions, il ne pensait pas qu'il fallait l'user avec parcimonie. Alors, Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam ala wa lui aurait dit, j'emploie le conditionnel puisque le hadith il est baif, il lui aurait dit oui, quand bien même tu te trouverais au bord d'une rivière. Vous savez, les rivières, l'eau, elle, elle ne tarit pas. Ce n'est pas euh, un puits où l'eau, elle peut venir à manquer à... si on en on en gaspille trop. Même au bord d'une rivière ou quand bien même tu gaspillerais tous les jours en faisant tes ablutions dans cette rivière, eh bien, l'eau ne cesse de couler dans cette rivière. Eh bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala wa wa lui aurait dit oui quand bien même tu te trouverais sur le bord, sur les rives d'une rivière. Donc, on voit que aussi bien Rasulullah que Allah, que Allah azza wa lui-même nous ont défendu de gaspiller même dans l'eau et en l'occurrence, dans nos ablutions. Donc, on essaye de suivre Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, et les faire avec parcimonie. Celui qui veut pas utiliser la méthode du bled, entre guillemets, la sunnah du bled, entre guillemets, qui est le fait de remplir directement la quantité désirée dans une petite tasse, une petite coupole, comme ça, tu gaspilles pas, tu es tranquille. On le voit beaucoup dans les mosquées il y a toujours un, un petit seau, une petite tasse, un petit bro, etc. Eh bien, on a des, des, des appareils maintenant, des, des petits accessoires qui se branchent directement sur le, sur le, le comment on appelle ça, le, le mitigeur du lavabo et qui permettent de, de, de faire couler l'eau avec une pression. Et lorsqu'on relâche, l'eau arrête de couler. Et c'est une bonne chose aussi d'avoir recours à ces systèmes-là. Ça permet de ne pas trop gaspiller. Et surtout, enseignez-le à vos enfants parce qu'on a tendance à ne pas. Éduquer nos enfants sur ces petites sunan là on se dit que ce n'est pas trop grave, on essaie de les appliquer nous-mêmes, et les enfants, on entend dans la salle de bain l'eau qui coule à flot et on ne dit rien, on se dit ce pas grave, ils sont petits. Non. Apprenez à vos enfants également à ne pas gaspiller euh, l'eau. Alors, il y a Noor al qui me demande est-ce que gaspiller l'eau annule les ablutions Pas du tout. Mais par contre, euh, elle, tu prends des péchés. Tu prends des péchés, puisque tu... Tu désobéis à l'ordre de Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam et tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah nous pardonne nos excès et nos manquements. Cinquièmement, dhikrullah fil khala awid dukhul bishay'in fihi dhikrillah aw fihi dhikrullah. On l'a vu cette erreur euh, dans euh, les cours sur le tawhid. On avait esquissé ça. On avait dit le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala fil khala. Alors, mes amis demi-arabophones, savez-vous ce que c'est que Al-Khala, qu'est-ce qui est voulu par Al-Khala Donc, même ceux qui n'ont pas la langue arabe, ils vont essayer de jouer en devinant. Qu est quelle est donc cette erreur d'invoquer Allah dans un endroit particulier s'agit de quoi comme endroit ici Voilà, il s'agit... Alors, Al-Khala, très précisément, c'est euh, le lieu des déjections, en fait. C'est le lieu où on accomplit ses besoins. Parce que, en réalité, il y a toilette et toilette. Comme l'a expliqué Sheikh Saleh al-Fawzan, Sheikh al-Albani, Sheikh ibn Uthaymin, nos savants plus ou moins contemporains, parce que pour la plupart d'entre eux, ils sont déjà morts, Rahmatullah al nous ont expliqué que de nos jours, on avait des toilettes entre guillemets tellement perfectionnées et évoluées avec des trônes et des chasses d'eau et des lavabos et tout que ces lieux d'impureté et d'insalubrité de jadis n'avaient plus lieu actuellement. C'est à dire qu'à l'époque, comment faisaient nos besoins Qui sait où ils faisaient leurs besoins Comment ils faisaient leurs besoins il y a 1400 ans Et on n'a même pas besoin de remonter à 1400 ans. On prenait encore il y a 20 ans. Dans certaines campagnes d'Afrique, parce que moi je connais principalement l'Afrique, Maroc, Tunisie, Algérie, on allait loin dans un désert, on se cachait au milieu des arbres et des buissons, et on faisait comme ça nos besoins naturels en pleine nature. Et à l'époque, ils avaient un petit peu des lieux comme ça qui étaient prédisposés à ce que les gens euh, aillent accomplir leurs besoins dans ces lieux-là parce qu'ils étaient bien éloignés, il y avait euh, des, 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 des arbustes pour se protéger, etc. Du coup, ils n'avaient pas leur WC privé comme nous on a de nos jours, chacun dans sa maison, on a tous un WC minimum, on a une toilette, si ce n'est deux, si ce n'est trois, pour les plus fortunés d'entre nous. Deuxièmement, ces lieux d'insalubrité, est-ce qu'ils se purifiaient Non, ils n'étaient pas purifiés, voilà, les, les excréments étaient là, l'urine était là, et puis ça stagnait. Et voilà, ça finissait par se décomposer naturellement. De nos jours, qu'est-ce qui se passe avec nos toilettes Est-ce que les excréments stagnent dans nos toilettes Aujourd'hui, tu appuies sur un bouton, il n'y a plus d'excréments. Du coup, est-ce que ces toilettes modernes, entre guillemets, on peut toujours considérer que ce sont des lieux de grande impureté, des lieux d'excréments, exc etc. Eh bien, les savants, justement, comme Shirsa, les etc., nous ont expliqué que ne peut plus considérer, on peut plus faire l'analogie entre, justement, ces endroits à l'époque, ces, ces, ces lieux de déjection à l'époque et avec nos toilettes modernes où on tire la chasse, euh, on passe, euh, nos femmes, qu'Allah les récompenses, passe la, la javel, etc. C'est ultra désinfecté. Je l'avais dit, dans une mosquée, on pourrait presque manger par terre. Ça avait choqué certains. Mais oui, c'est tellement propre chez certains, tellement on passe la javel, etc. que, plus que les toilettes chez certains sont plus propres que, <laughs> que certains endroits de chez d'autres. Que, que certains endroits de chez des koufars où ils ne nettoient même pas leur chambre. Tout ça pour vous dire qu'à l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, avait défendu d'évoquer Allah dans ces lieux euh, d'insalubrité, ces, ces lieux où on faisait habituellement nos besoins. Maintenant, dans les toilettes de nos jours où il n'y a plus d'excréments, il n'y a plus d'urine, à part bien sûr, je vous parle de règles générales, ne venez pas me dire, oui, mais ceux qui ont des enfants, ben les enfants, ils, ils urinent un petit peu à côté du trône, du coup c'est sale, etc. Oui, mais est-ce que ça, c'est ce que ça, ce n'est pas l'exception qui confirme la règle La règle de base, c'est qu'en général, voilà, on fait au bon endroit, on est des gens propres quand même. Hein, on est quand même musulman, on sait que l'hygiène c'est important dans notre religion, du coup on nettoie, lorsque c'est un peu sale, ben on nettoie, on ne laisse pas comme ça. Du coup les toilettes de nos jours sont, ta... enfin les toilettes chez nous sont assez propres. Je ne vous parle pas des toilettes dans les stations-service dans les stations de certains pays, là c'est une autre histoire, mais dans les toilettes propres, surtout dans les toilettes comme on l'a vu dans une vidéo que j'évoquais sur la, la prière des écoliers. Euh, à l'école, on a vu qu'il y a des toilettes parfois, c'est-à-dire des salles de bain, c'est pas juste un trône, c'est toute une salle de bain, tu as le lavabo à une extrémité de la salle de bain et le trône à l'autre extrémité. Donc tu vas me dire même si sur le trône voilà, il y a quelques gouttes d'urine parce que ton fils, il a uriné. Oui, mais au niveau du lavabo, là où tu fais tes ablutions, tu n'es plus dans la partie toilette. C'est pas parce que c'est entre quatre murs que c'est toujours considéré comme tes toilettes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça une salle de bain. C'est une salle de bain parce qu'il n'y a pas que les toilettes, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça pour en revenir à nos moutons, là, il y a de nombreux savants ont considéré que les toilettes n'étant plus des lieux d'aisance et, et d'insalubrité comme c'était le, le cas à l'époque, on peut à ce moment-là dire bismillah puisque ce n'est plus des lieux où euh, les, les, les excréments sont euh, monnaie courante. Mais il y a une deuxième chose qu'il faut noter dans les salles de bain, que les salles de bain, ce sont des endroits où on fait quoi généralement En admettant qu'il qu y a un trône, d'accord, on accomplit ses besoins. Qu'est-ce qu'on fait aussi Voilà, on se lave, on se douche, comme vous me le dites. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on se lave et on se douche au préalable On se dénude surtout, voilà. C'est ça la réponse que j'attendais. On se dénude. Et du coup, ce genre d'endroit, il est propice à accueillir les shariatines. Lorsqu'on se dénude, qu'on se met à nu. Donc, c'est des, les... des endroits dans lesquels il est quand même conseillé de ne pas évoquer Allah, subhanahu wa de ne pas lire le Coran, quand bien même les toilettes sont séparées. À partir du moment où c'est une salle de bain. C'est des lieux où on se déshabille, où on saute, etc., où on ôte nos vêtements. On évite. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour se simplifier la vie et pour sortir de toutes ces divergences Eh bien, lorsque je veux dire Bismillah pour mes ablutions, je l'ai dit avant de rentrer aux toilettes. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une dua spécifique qu'il convient de réciter avant d'entrer dans les toilettes. Vous la connaissez sûrement, non Bismillah. Donc, je lis cette doua et j'ai dit bismillah. Donc, je mets la niya que j'ai dit bismillah pour rentrer dans les toilettes et je suis la sunna. Et je mets la niya que ce bismillah, il me vaut aussi pour mes ablutions. Et après, je suis tranquille, je peux faire mes ablutions. J'ai évoqué Allah subhanahu ta'ala. Donc, le cheikh nous dit que c'est une erreur d'évoquer Allah dans ces toilettes insalubres de l'époque. Et si on peut également éviter de le faire, même dans les toilettes salubres, c'est-à-dire des toilettes propres, on va le faire. Et qu'est-ce qu'il convient d'éviter également C'est de rentrer dans ces lieux d'aisance, dans ces latrines, ces lieux d'impureté, avec quoi que ce soit qui porte la mention d'Allah subhanahu wa taala. Donc le Coran, je ne rentre pas dans les toilettes avec Sahih Bukhari. Je ne rentre pas dans les toilettes avec Et est-ce qu'un journal en arabe, je rentre dans les toilettes avec Pourquoi je ne rentre pas avec un journal en arabe Bravo Parce que, comme je vous ai le dit dans un cours précédent, dans la plupart des journaux arabes, vous allez forcément tomber à un moment donné ou à un autre sur le prénom Abdullah, écrit par Abdullah, quelqu'un qui parle de Abdullah, Abdelrahman, etc. Si ce n'est carrément des versets coraniques ou des hadiths prophétiques. Donc, les ouvrages en arabe, on les délaisse, on ne rentre pas dans le Coran avec. Question moderne, question 3.1, Thunderbolt. Est-ce que j'ai le droit de rentrer avec mon téléphone, mon smartphone éteint dans les toilettes, sachant que j'ai le Coran, j'ai une application de Coran écrite et j'ai même des récitations audio du Coran dans mon smartphone Est-ce que j'ai le droit de rentrer aux toilettes avec j'ai eu oui et non. Bien, j'ai le droit de rentrer avec. Pourquoi Premièrement parce qu'il est éteint. Et du coup, ton Qur'an qui a dans ton smartphone, est-ce que lorsque l'écran est éteint, ce sont des lettres qu'il y a dans ton smartphone Ça, je l'ai expliqué dans ma playlist Minhaj al-Muslim. Bravo à M5. Bravo à Oum Sami. J'attends une troisième bonne réponse avant de la dire. Qui est le troisième qui va trouver ce qu'il y a réellement dans ton smartphone? est ce que c'est des lettres arabes allah alif lam lam ha. c'est pas des images, c'est pas des pixels, bravo cédric tony. allez, on a, on a notre, notre tiercé gagnant. c'est des, des zéros et des uns. le monde de l'informatique de manière générale, pour ne pas dire le monde tout entier, est régi avec, par deux chiffres, 0 et 1, Allahu Akbar, avec 0 et 1, tu fais tout. Tu fais des ordinateurs, tu fais des caméras, tu fais des smartphones, tu, tu fais des fusées qui vont dans l'espace. C'est incroyable. C'est ce qu'on appelle le code binaire 0 et 1. En fonction du nombre de 0 et de 1 qui se suivent, ça fait tel et tel symbole, ça fait des lettres, ça fait des chiffres, ça fait des... des, des... Ensuite, ça fait des images, ça fait tout, 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 tout. Donc, à l'intérieur de ton smartphone, ce n'est pas comme un mousraf. Ce n'est pas comme un mousraf, un véritable exemplaire du Coran dans lequel il y a véritablement des lettres. Parce que ce mousraf, si tu le fermes, il y a toujours les lettres à l'intérieur. Tandis que ton smartphone, dès que tu l'éteins, les lettres, elles disparaissent de l'écran. Et ce qui reste à l'intérieur, c'est juste des 0 et des 1. 0, 0, 0. Et c'est dès que tu l'allumes que le processeur de ton téléphone, il convertit tous ces 0 et ces 1. En des, chi, en des lettres mises bout à bout qui forment des phrases, qui forment des versets du Coran, etc. etc. Donc il n'y a aucun mal à rentrer aux toilettes avec son smartphone euh, à partir du moment où il n'est pas allumé sur la page du Coran. Maintenant il est allumé sur autre chose, il n'y a pas de souci à partir du moment où la, il n'y a pas le nom d'Allah qui est apparent sur l'écran. Le messager. Alors c'est quoi la preuve du shayr

D'après Ibn Umar, qui a dit qu'un homme était passé près du messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa tandis que le messager d'Allah urinait. Et alors, cet homme lui a passé le salam, il a salué le messager d'Allah, alayhi wa alayhi wa et le messager d'Allah ne lui a pas répondu à son salam. Alors, savez-vous, elle se trouve, elle est où la khudja ici Il est où l'argument Elle est où la preuve Quel rapport entre le fait d'évoquer Allah subhanahu wa dans les lieux d'impureté et le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam n'ait pas répondu au salam. Alors il y en a qui me disent c'est une adoration. Il y en a qui disent qu'il y a le nom d'Allah dans Assalam. salam. Pardon. Alors il y a Dunia qui me dit qu'on ne doit pas parler quand on fait nos besoins. Ça aussi, c'est vrai. Ce n'est pas ce que Shir a évoqué, parce que Rasulullah aurait pu euh, euh, répondre juste après avoir accompli ses besoins, tout en se trouvant dans cet endroit-là. Mais c'est une bonne remarque de la sœur Dounia c'est vrai qu'il ne convient pas de parler lorsqu'on fait ses besoins. Je n'ai pas vu la, la bonne réponse, euh, ou peut-être qu'elle m'est passée, euh, passée sans que je ne la décèle. Le Shir nous dit L'Iann salam vikrun parce que le salam et le retour du salam, c'est un zikr, c'est de l'évocation. Quand, quand je te dis « Assalamu alaikum wa, wa rahmatullahi wa barakatuh » c'est du zikr. J'évoque que les, la paix soit sur toi, c'est que les bénédictions, la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Donc, puisque c'est du zikr, Rasulullah a délaissé le zikr « Sallallahu alayhi wa, alayhi wa salam, dans ces lieux-là, parce que c'est un lieu d'insalubrité dans lequel il est détestable d'évoquer Allah. Subhanahu wa il est 21, on va essayer de pousser jusqu'à 30 et on va occulter les, les, les questions-réponses pour le cours d'aujourd'hui. On verra ça plus tard, inshallah pour essayer de, de terminer le plus possible les erreurs sur les ablutions. Sixièmement, Masrur si Akthar Min Marra. Donc, on l'a vu. Le Shirk, lui, considère, comme la plupart des savants, qu'essuyer sur la tête dans les ablutions plus d'une fois, c'est une erreur. Nous avons vu que Chir al-Albani considérait que le faire de temps en temps, c'était une sunnah. <coughs> Et le chir nous dit, car c'est contraire à la guidée prophétique, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, qui se contentait d'essuyer la tête une seule fois. Et effectivement, c'est ce qui a été rapporté dans la plupart des hadiths. <coughs> on a dans la description des ablutions du messager d'Allah, il, il a essuyé sur sa tête une fois, comme on le trouve dans Abu Daoud avec un, 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 un isnad euh, sahih Et le chir nous dit que tous les hadiths, tous les hadiths, Indique que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa n'avait essuyé qu'une seule fois sur sa tête. Donc, il considère que le hadith sur lequel s'est basé Shir al-Albani n'est pas correct. Alors, il y a Mariam qui me pose une question pertinente et qui me dit est-ce que repasser sur sa tête, je pense qu'elle parle du retour, est-ce que c'est considéré comme deux fois Non. Essuyer sur sa tête, ce qui est voulu, c'est faire un aller-retour. C'est ça qui vaut pour un essuyage. Maintenant, on a dit l'aller, il est obligatoire et le retour, il est sunna. Et ça vaut pour un seul essuyage. Du coup, chez Al-Albani, trois essuyages, ce serait le fait de faire un, deux et trois. Trois allers-retours. Masrur Septième erreur, le fait d'essuyer son cou. Alors, moi, je vous pose la question parce que moi, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que vous vous avez déjà vu des gens lorsqu'ils font leurs ablutions et qu'ils font l'essuage sur la tête, s'essuyer comme ça aussi le cou. Alors il y a Rachel qui me pose une question pertinente pour nos sœurs qui se posent souvent la question euh, pour les ablutions, est-ce qu'il faut se laver toute la longueur des cheveux Alors, la sœur m'a précisé pour les grandes ablutions, oui. Les grandes ablutions, bien sûr, tu dois laver l'intégralité de ton corps. Tu ne dois rien laisser de ton corps. Donc, les cheveux font partie de ton corps. Tu dois laver tous tes cheveux jusqu'à la pointe. Comme il y a un hadith qui dit que sous chaque euh, cheveu se trouve une janaba Et dans les ablutions mineures, alors il te suffit d'aller jusqu'à la nuque. Si toi, tu es une femme qui a les cheveux qui descendent jusqu'aux hanches, tu n'es pas obligé de les, de, les, de les laver comme ça, de les essuyer comme ça jusqu'à la longueur. Tu te contentes d'essuyer et tu t'arrêtes au niveau de la nuque. Ça vaut pour les hommes aussi qui ont les cheveux longs. Donc, il euh, y en a certains d'entre vous qui m'ont dit qu'ils ont déjà vu, subhanallah, euh, euh, des gens le faire. Il y notre sœur euh, Gulay qui nous dit qu'elle l'a vu chez les Turcs notre frère Mohamed qui nous dit qu'il le faisait lui-même à cause des des wasawis subhanallah fouad aussi euh, c'est impressionnant moi je l'ai jamais vu moi j'ai j'ai jamais vu euh, notre sœur qui a, qui a aussi vu une sœur euh, avoir pris l'habitude de le faire subhanallah donc ça c'est une erreur en fait c'est une erreur le cheikh nous dit min al bal addahu Ceci est une erreur, le fait d'essuyer son cou comme ça dans les ablutions et il nous dit mais plutôt certains savants l'ont classifié parmi les bidards. C'est plus qu'une erreur, c'est une innovation parce que tu es en train d'inventer une nouvelle adoration dans tes ablutions qui sont une adoration, tu es en train de rajouter, donc tu es en train de rajouter quelque chose dans une adoration qui n'en fait pas partie, que n'a pas apporté. Le prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Alors, Zainuddin qui nous demande est-ce que le fait, le fait de le faire par plaisir, par rafraîchissement à cause de la chaleur, euh, c'est grave Non, là, c'est pas grave. À partir du moment où ce n'est pas avec la NIA que ça fait partie des ablutions. Si tu veux, te, tu veux même te, <laughs> te rafraîchir un peu les aisselles, grand bien t'en fasse. Il n'y a aucun souci. Mais ne fais pas rentrer ça dans la NIA des ablutions. En, 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 en pensant que tu dois, ou que c'est moussahab, que c'est recommandé de euh, t'essuyer le cou. C'est plutôt une innovation. « Le nous n'a rien été rapporté de manière authentique du messager d'Allah wa alayhi wasallam, concernant ceci. Mais ce qui a été rapporté, ce sont des hadiths des hadiths mawdu'at wa munkarat c'est-à-dire des hadiths inventés, des hadiths forgés sur le Messager d'Allah (sallallahu alaihi wa, alayhi wa sallam. des hadiths munkar qui contredisent des hadiths authentiques. Donc oui, des hadiths inventés qui rapportent ça, il y en a. Et voilà pourquoi nous nous avons dit, on ne se base pas sur de tels hadiths dans nos adorations. Et voilà pourquoi certains savants sont allés jusqu'à dire que c'était une bid'a, une innovation. Quand bien même le Shir nous, nous, nous dit que certains savants ont vu ceci, il y a certains savants qui disent voilà, euh, il est recommandé de s'essuyer euh, le cou dans les ablutions. Et il nous dit que, regardez comme le chir est, est doux, clément et sagace et. Est, est et humble envers ses, ses, ses confrères dans, dans la science il leur a dit mais il semblerait que il n'ait pas euh, fait attention au fait que ces hadiths là qui mentionnent cette pratique là ne sont pas authentiques et ils se sont laissés avoir par l'inauthenticité de ces hadiths donc il ne convient pas de s'essuyer euh, le coup huitième erreur alors, moi, je vous pose la question, mes frères et mes sœurs, qui pratiquaient de temps à autre l'essuyage sur les bottines, c'est-à-dire sur les chaussures ou sur les chaussettes. Comment vous essuyez sur vos chaussures, sur vos bottes, sur vos chaussettes Pratiquement parlant, et un CH qui me dit par-dessus. Ayaum Ibrahim qui me dit on passe sa main, mais on la passe où justement sa main? Oum nous dit au-dessus, Abu Aïcha aussi, Cédric aussi, Zainuddin aussi, Mariam aussi, Hakima aussi. Alors, j'ai l'impression aussi, j'ai l'impression que tout le monde me dit ça. Alors, je vois que, que finalement vous n'êtes pas si mal que vous le prétendez. Alors. Je défile, je défile, je défile parce que je veux voir, ils sont où les, les prétendus malikites Ah, il y a Cédric Tony qui s'est rattrapé là, pour faire bonne figure. Il me dit, euh... ah non, Cédric Tony me parle des deux mains en même temps. Ce n'était même pas ça que je visais. Bon, ben, je n'ai pas eu la réponse des malikites. Sachez que chez les malikites et les chaferites, on essuie le dessus comme le dessous de la rouf. C'est-à-dire que tu mets ta main. Sur le dessus de la chaussure, et tu mets une autre main sur le dessous de la chaussure, et tu essuies comme ça, sur la longueur de la chaussure. Ça, c'est la vie des chefs et des malikites. Les malikites, ils considèrent que si tu essuies juste sur le dessus, tu dois recommencer tes ablutions fil Yara il voit que tu dois recommencer si tu as encore le temps devant toi de refaire tes ablutions et de prier sans rater quoi que ce soit de la prière. Alors refais tes ablutions si tu as oublié de nettoyer le dessous de la chaussure. Alors sachant qu'on ne parle que de chaussures chez les malikites, hein, parce que comme je vous l'ai dit, les conditions chez les malikites elles sont drastiques. Il faut absolument que ce soit en cuir, etc., etc. Donc les chaussettes ça, ça ne passe pas chez, chez les malikites. Donc et chez les chiaférites, le dessus c'est obligatoire et le dessous c'est recommandé, tandis que chez les Hanafites et chez les Hanabila, ce n'est pas légiféré d'essuyer en dessous de la roue. Et les Hanabila voient qu'on a le droit aux chaussettes, donc ce n'est pas légiféré d'essuyer en dessous également des chaussettes. Et c'est l'avis qu'a soutenu le Shir et un grand nombre de savants. Le chir nous dit, il l'a classé parmi les erreurs d'essuyer le dessous de la rouffe et des chaussettes. donc on voit que le chir voit également qu'il est permis d'essuyer sur ses chaussettes comme les hanabila lors de l'essuyage sur les bottines et les chaussettes. Il nous dit que ceci est une erreur et une ignorance. Alors c'est vrai qu'il y allait un petit peu fort le chir quand bien même moi c'est la vie pour lequel j'ai opté, mais bon, moi, je ne me permettrais pas, à mon niveau, de, de qualifier cet avis d'ignorance quand on sait qu'il a été tenu par des illustres imams, tels que l'imam euh, Malik et Shafi'i, et tous les tenants de leurs écoles, parce qu'en plus, ils se basaient sur un hadith. Hadith qu'on trouve dans Ad Tirmidhi numéro 97. De mémoire, il est rapporté par Ibn Omar. Et ils disent qu'ils ont vu Ibn Omar, et, et c'est l'imam Malik qui a questionné Shihab, son professeur Shihab qui lui a dit comment on fait l'essuyage sur les bottines et Shihab lui a montré et il a mis sa main au-dessus et l'autre main en dessous et il a essuyé sur ses bottines. Et ça a été rapporté d'Ibn Umar qu'il faisait ainsi. Donc effectivement, ils ont leur preuve de leur côté. Cependant, ce hadith dont je vous parle, numéro 97 dans Tirmidhi, l'imam Tirmidhi lui-même affirme que le hadith il est ma'aloul, c'est-à-dire qu'il est défectueux. Et la plupart des savants du hadith ont considéré que ce hadith n'était pas authentique. Voilà pourquoi ils ont rejeté ce hadith autant, qui n'est pas authentique. Et ils se sont accrochés à un autre hadith qui, quant à lui, il est authentique et rapporté par l'imam Ali. Radiallahu anhu, et vous allez me le citer parce qu'il est magnifique. Qui va me le citer en entier parce qu'il est magnifique Bravo à Marseille 13. J'espère ne nous a pas fait un beau copier-coller. D'autres que Marseille 13 connaissent ce, ce hadith magnifique de, de Ali, puisque c'est c'est une règle dans la religion qu'il nous a donnée. Bon, personne à part Marseille 13. Donc, on va voir les propos du Chirk. qu'il le cite entre autres. Le chir nous dit déjà il y a le hadith rapporté par Ahmed. أبو داود الترمذي دبخ المغيرة بن شعبة يدي رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظهور الخفين وروى أبو داود عن علي أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل, لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمسح على ظاهر خفيه Donc, premier hadith dal mourir ibn il a dit « J'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam essuyer sur le dessus des rouffes ». Il n'a pas dit « Je l'ai vu essuyer sur le dessus et le dessous ». Il a dit « Je l'ai vu essuyer sur le dessus ». On comprend que c'est ça la sunna et on s'en tient là. On n'outrepasse pas si Rasulullah n'a pas fait le dessous puisqu'on a vu que le hadith du dessous, il n'est pas authentique. Deuxième hadith qui va plus loin, Ali ibn Abi Talib anhu, nous dit si la religion se prenait de la raison de la logique. Pourquoi il a dit ça à Ali Pourquoi Ali nous dit par rapport au khrouf et à l'essuyage sur les khrouf Pourquoi il nous dit si la, ré... la religion se prenait de la logique Alors, il y a Oum Sami qui me dit qu'il sous-entend que ce serait logique de faire le nettoyage par le bas des pieds. D'accord, mais pourquoi Bravo, Oum Nour al-Islam. Bravo à A et à Salim. Parce que ce qui est logique en termes d'impureté et de salissure sur une chaussure, c'est que c'est la semelle qui se salit, parce que c'est elle qui est en contact avec la terre. Donc les ablutions qui sont une purification, ce qu'on devrait logiquement purifier sur nos chaussures, c'est pas le dessus. Ce serait le dessous qui lui est sale. Eh bien, Ali nous dit si la logique, si la religion se prenait de la logique, alors le dessous de la chaussure serait plus en droit d'être essuyé que le dessus. Mais j'ai vu le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, essuyer sur le dessus de ses bottines. Ça veut dire que nous, notre religion, c'est pas comme le font les Achârîras justement dans la Aqidah, la croyance. Ouais ben ça c'est logique donc je fais précéder ma logique sur les textes. Rasulullah il a dit que Allah avait deux mains. Allah Azza nous dit qu'il a deux mains. Oui mais c'est pas logique que Allah il a deux mains, ça veut dire qu'il a deux organes, ça veut dire que on a comparé on a fait ressembler la créature au créateur et blab et donc je rejette la religion, je rejette le Coran et la Sunna parce que ma logique le rejette. Et Ali, il réfute à ces gens-là par cette parole. La religion elle se prend pas de ta logique. La religion, elle se prend de Allah a dit, Azzawajal, le messager d'Allah a dit, Sallallahu Ça ne te semble pas logique Peu importe. On sait qu'il y a une sagesse auprès d'Allah et on se cramponne à la révélation d'Allah qu'on fait passer loin devant notre logique déficiente, car comme je n'ai de le cesse de dire, ce qui te paraît logique à toi ne l'est pas forcément pour une autre. La polygamie, certaines sœurs vont dire, bah, c'est logique la polygamie, c'est autorisé, c'est un tel bienfait. Et tu as d'autres sœurs qui vont dire, bah, non, ce n'est pas logique la polygamie, c'est néfaste, c'est nuisible, etc. Ce que toi tu vois bon, l'autre le voit mauvais et réciproquement. Et on termine avec la dernière erreur dans les ablutions. Le chir nous dit Al-Istinja ou le fait de faire ses, son lavage intime, de se nettoyer les parties intimes, suite à une flatulence. Le chir nous dit qu'il n'a pas été rapporté, qu'il n'a rien été rapporté de preuve qui ordonne de se renettoyer les parties intimes après avoir eu une flatulence. Et ça, effectivement, c'est une erreur très répandue. Que beaucoup de personnes pratiquent alors qu'il n'y a aucune preuve là-dessus. Mais, quelle est la seule chose qui implique le nettoyage des parties intimes Voilà, les besoins naturels. Par devant ou par derrière, tu fais tes besoins naturels, tu te nettoies parties intimes. Le fait de d'avoir une flatulence, le fait d'avoir un vent, qu'est-ce que ça implique Si ça n'implique pas de refaire le nettoyage des parties intimes, qu'est-ce que ça implique en 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 contrepartie Voilà. Juste les ablutions. Ça nécessite de refaire tes ablutions, mais ça ne nécessite pas que tu fasses un tour dans la salle de bain pour te nettoyer. وصلي اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب إليك كما قلت باد كستيون بوغوجوردي اون رانديفو ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين